Bienvenue dans cette nouvelle analyse qui va vous briser le crâne comme on brise une timeline. Je suis Kevin Buckhart et je vais vous guider dans les mystères de la meilleure série du MCU. Loki est de retour après 2 ans. Et c'est probablement la série Marvel que j'attendais le plus depuis la saison 1. Car cette saison 1 nous avait littéralement cassé le crâne. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais couvrir les 8 prochains épisodes de Loki pour mon plus grand plaisir. Cet épisode 1 démarre très très fort. On repart sur la même base que la saison 1, avec des détails cachés de partout, un mystère temporel et multiversel complicado avocado, et aussi une scène post-crédit pas mal du tout. Et évidemment, comme à chaque fois, c'est toujours mieux si vous avez vu l'épisode, puisqu'à partir de maintenant, on va décrypter chaque détail, et évidemment, on va spoiler. Let's ready to rumble! La série reprend tout juste à la fin de l'épisode final de Loki saison 1. Et vu que je sais que vous ne vous souvenez de rien, et que bien sûr, vous n'avez pas vu ma vidéo récap sur TikTok et Instagram, fucking mother bloody fuck bitch. Plus sympa, je vous fais un très très rapide récap de la saison 1. En 2012, lors de la mission des Avengers de Endgame, Loki arrive à s'échapper avec le Tesseract. Mais des agents le capturent et l'emmènent dans la TVA, un lieu hors du temps qui s'assure que personne ne sort du chemin qui lui est tracé, au risque de devenir un variant. Chaque variant est donc jugé coupable de ses actions. À ce moment-là, soit il est brouillé, soit il est transformé en employé de la TVA. Des employés qui ne sont pas au courant d'être des variants. Loki, lui, est employé par Mobius pour chasser Sylvie, un variant féminin de Loki qui fout la merde. Ensemble, ils découvrent que les gardiens du temps sont des leurres et que la TVA est un mensonge. Après avoir montré la vérité à certaines personnes de la TVA, il retrouve la personne derrière tout ça. Celui qui demeure est un variant de Kang qui dirige la TVA depuis la citadelle à la fin du temps. Il leur explique que la TVA permet d'empêcher plus de Kang de se propager et de détruire le multivers. Sylvie ne le croit pas et le tue pour avoir détruit sa vie et son monde. Ce qui en même temps détruit la timeline sacrée en libérant énormément de branches. Loki lui est envoyé par un portail via le timepad de Kang. Seulement, il atterrit dans une version passée de la TVA où personne ne le reconnaît et où Kang trône fièrement. Seulement, même ici, la mort de celui qui demeure a un impact, puisque Mobius et B-15 discutent du bouleversement dans la timeline sacrée. Ce qui nous mène à la saison 2. I don't care. Why'd you ask? La saison 1 se concentrait sur le temps et les variations au sein de la timeline sacrée. Elle positionnait la TVA comme un espace où le temps n'a pas d'emprise, une poche dimensionnelle qui vit dans tous les temps à la fois. Seulement, on apprend que Loki réapparaît dans le passé de cette même TVA. Et même si Mobius a souvent répété « Time passes differently here in the TVA », l'épisode donne énormément de références temporelles qui nous montrent que le temps s'écoule également ici. Comme ces posters qui expliquent que la pause déjeuner ne doit pas dépasser 17 minutes, ou encore Obi qui nous dit qu'il n'a pas vu Morbius depuis 400 ans. Un détail qui, à mon avis, a son importance, et nous y reviendrons plus tard. Le temps s'écoule donc dans la TVA, et en effet, il ne fonctionne pas comme dans la timeline sacrée. Car Loki change encore une fois les règles du voyage dans le temps. Dans Endgame, nous apprenons que voyager dans le temps n'altère pas notre présent, mais en crée un nouveau. En gros, il crée une nouvelle branche et un nouvel univers. Seulement, la TVA n'a pas cette logique. Elle est unique. Et Loki nous le prouve, car chaque voyage dans le passé lui permet de modifier en temps réel le présent. Un peu comme dans Retour vers le futur ou Terminator. Et contrairement à d'autres films sur le sujet qui nous montrent qu'il est impossible de contrôler le temps puisque chaque action est prédéterminée, ici, Loki semble vraiment avoir un impact en temps réel sur le présent avec ses actions dans le passé. Ou alors, c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire. Et si Kang était encore derrière tout ça? Ah oui, puisque Obi tient son surnom de Loki. Obi? En réalité, bien Obi l'a donné à Loki en premier. Bon, j'imagine que vous avez déjà un énorme mal de crâne. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est normal, et j'ai peut-être la solution pour vous. C'est prouvé scientifiquement. Regarder des séries et des heures de décryptage ensuite accroît l'exposition à la lumière bleue des écrans et augmente l'effort nécessaire à l'œil pour faire la mise au point. Cela provoque, entre autres, fatigue, maux de tête, vision trouble et des perturbations d'humeur qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Et grâce à Gunnar, le sponsor de cette vidéo, vous allez pouvoir continuer à regarder un max de décryptage, lâcher vos meilleurs commentaires et jouer aux jeux vidéo avec style sans aucun mot de tête. Gunnar propose des lunettes avec la meilleure protection du marché contre les lumières bleues des écrans tout en ayant des technologies diminuant la fatigue visuelle. Et ça tombe bien, puisqu'ils sortent une édition spéciale pour la série, avec la Loki Asgard Edition et l'édition ultra limitée God of Mischief, que je trouve incroyablement stylée. Mais mes petites préférées restent l'édition Starcumber, qui reprend le style des lunettes d'Iron Man. Bref, si tu aimes mon travail et que tu veux soutenir la chaîne, le tout en protégeant tes yeux avec Gunnar, il ne te reste plus qu'à scanner le QR code juste ici, ou suivre le lien en description, et de profiter des 10% de réduction avec le code Buckhart. Revenons-en à Loki justement. À la fin de la saison 1, celui qui demeure nous explique qu'il a pavé la route de Loki et Sylvie pour arriver jusqu'à lui, et que le libre-arbitre n'existe pas. Cependant, sa mort entraîne la libération de la timeline sacrée, le libre-arbitre des nouvelles branches. Seulement, la série semble tourner autour de la notion de boucle. Il se pourrait bien que ce premier épisode nous ait déjà dévoilé la fin de cette saison. Je m'explique. Celui qui demeure nous dit être le dernier survivant de la guerre des Kang. Et tout laisse à penser que la TVA a été créée par le Conseil des Kang
pas juste lui. Par exemple, la fresque dans la salle de crise nous montre de multiples Kang. Et dans la forteresse à la fin du temps, voyons également que plusieurs statues étaient présentes. Celui qui demeure dit même à Sylvie que sa mort va de nouveau entraîner la guerre des Kang, ce qui le mènera exactement au même endroit à la fin. Celui qui demeure aurait donc créé une boucle qui lui assure de sauver l'univers et de le diriger encore et encore et encore. Plusieurs éléments me font penser ça. Premièrement, Ravonna Renslayer. L'enregistrement nous fait comprendre qu'elle a été primordiale dans la lutte contre les autres Kang, et que celui qui demeure l'invite à diriger la TVA avec lui. Seulement, comme les autres variants, sa mémoire a été effacée. À la fin de la saison 1, Ravonna part en mission pour Miss Minutes à la recherche du libre arbitre. Et si Ravonna était partie des Kang au tout début de la boucle avec Victor Timely, un variant de Kang qui semble important pour aider nos héros à réparer la machine créer la timeline sacrée, comme le montre ce plan dans la bande-annonce. Un autre indice important, le nom du nouveau personnage, Ouroboros ou Obi. Dans plusieurs mythologies, l'Ouroboros est le symbole d'un serpent qui se mord la queue. Formant une boucle fermée, il représente le cycle infini de la vie qui mène toujours vers la même chose. D'ailleurs, tout comme Mobius, qui tient son nom de la bande Mobius inversée, qui permet à Tony de comprendre le voyage dans le temps, grâce à une boucle temporelle. Obi est un personnage très intéressant. Il semble être le seul à n'avoir jamais subi d'effacement de mémoire. Il se souvient de Mobius quand lui n'en a aucun souvenir. Comme s'il avait été oublié de tous. Et en même temps, il semble être un élément central du rouage, ayant même écrit la Bible de la TVA, ce petit bouquin orange qui va sûrement être très utile, une sorte d'ingénieur en charge de tout. Il se pourrait même qu'il finisse par être l'arme secrète de Kang depuis tout ce temps. Je vous le dis, il est beaucoup trop joyeux, ça cache quelque chose de louche. Et pour mieux comprendre, il faut comprendre ce qu'il se passe pour Loki. Loki semble bloqué dans une errance temporelle entre le présent, le passé et le futur. Mais la solution pour l'en sortir n'est pas si évidente que ça à comprendre. Je vous explique tout. Une situation causée par Sylvie. Lors du dernier épisode de la saison 1, Sylvie utilise le pad temporel de celui qui demeure pour renvoyer Loki dans la TVA. Seulement, ce pad est infiniment supérieur à celui des agents. Il permet de voyager dans le temps au sein de la TVA. Et vu que la timeline sacrée avait déjà commencé à se briser, l'essence temporelle de Loki a été dispersée à travers le temps, causant cette errance temporelle. C'est pourquoi Obi construit un extracteur d'aura temporelle. Et du coup, pourquoi Loki doit se brouiller? Souvenez-vous, lorsqu'un variant est brouillé, il est extrait du flux temporel pour être envoyé dans le Void. En se brouillant, Loki réunit tous les fragments de son aura qui s'extirpent vers le Void. Pendant ce temps, l'extracteur d'aura temporel va lui agir comme un aimant, récupérant Loki juste avant qu'il ne soit envoyé vers le Void. Et c'est ce que vous avez vu dans cet épisode. Good point. Mais une question me taraude. Qui est la personne qui a brouillé Loki? Comme on le voit, Loki est envoyé cette fois non pas dans le passé, mais dans le futur. La TVA semble avoir été évacuée et le temps presse. Alors qu'un téléphone ne cesse de sonner, Sylvie sort de l'ascenseur et semble heureuse de retrouver Loki. Oku pense que Sylvie revient directement de la citadelle de celui qui demeure. Seulement, si on regarde bien, ses cheveux ont poussé et ses vêtements ne sont pas les mêmes. Or, la scène post-credit nous montre que Sylvie a directement quitté la citadelle pour rejoindre le McDonald's. À ce moment-là, ses cheveux sont les mêmes que lors du dernier épisode de la saison 1. Je pense donc que nous restons dans le thème de cette saison 2, qui est la boucle. À ce moment-là, c'est un Loki du futur qui brouille sa version du passé, créant une boucle entre l'épisode 1 et la fin de la saison. Je vous l'ai dit, c'est pas simple. Seulement, ça ne suffira pas, car les actions de cet épisode ne semblent pas avoir changé l'état de Loki. Comme nous le voyons dans la bande-annonce, Loki va continuer à errer dans le temps. Et c'est bien pourquoi ils auront besoin de Victor Timely, qui, je le pense, a inventé la machine qui crée la timeline sacrée. Le générique diffère de la saison 1 et nous offre beaucoup plus à analyser. Moi, je vais me concentrer sur ce qui est vraiment intriguant. Ce plan sur les post-it, par exemple, pourrait me faire réfléchir pendant des jours et des jours. Beaucoup de phrases semblent évoquer des analogies autour du concept du multivers et de la cassure de la timeline sacrée. Comme par exemple, le craquement de la glace, la réflexion d'un même son, ou encore l'arbre cassé. Mais ce qui m'intéresse, c'est le terme X qui revient plusieurs fois. Le X est le nom utilisé pour définir le dôme qu'a créé Wanda dans WandaVision. Et globalement, c'est le nom que peut représenter sa magie. Un peu plus loin, nous voyons une bague de téléportation et un croquis de Nikola Tesla représentant la théorie des chiffres 3, 6, 9. Il ressemble terriblement à un élément du Darkhold. On le sait, Doctor Strange et Wanda sont très liés au multivers. Car tous les deux ont utilisé le Darkhold pour dreamwalker entre les univers et ont créé les premières incursions. On dit même que la cause du craquage du multivers pourrait être l'avènement de la Scarlet Witch. Ça paraît un peu trop tôt pour insinuer quoi que ce soit, les indices sont là, et absolument rien n'est laissé au hasard dans Loki. Pour finir, l'épisode est doté d'une scène post-crédit. On y voit Sylvie, sûrement arrivée tout droit de la citadelle avec le timepad de celui qui demeure. Elle décide de se rendre en 1982 dans la ville de Broxson, en Oklahoma. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois, l'animation nous indique qu'il s'agit d'une nouvelle branche de la timeline. Il n'avait jamais été le cas auparavant. Un monde variant, donc. Mais un deuxième élément est intéressant. Broxton est bien connu dans les comics. Cette petite ville est le lieu qu'a choisi Thor dans les comics pour installer New Asgard après le Ragnarok.
Contrairement au MCU, il ne s'agit pas d'un petit village de pêcheurs, mais d'une cité médiévale flottant au-dessus d'un champ américain. Le nouveau personnage du général Dox lance une véritable chasse à l'homme où tous les soldats de la TVA partent à la recherche du variant féminin de Loki. Et Sylvie, elle, décide tout simplement de vivre une vie paisible au McDo. Elle a vécu toute sa vie dans les apocalypses, se nourrissant du peu de vivre qu'il restait. C'est pourquoi aujourd'hui, comme Thanos, après avoir accompli l'œuvre d'une vie, elle décide de se poser et de profiter de plaisirs simples. Jusqu'au prochain épisode, en tout cas. Cet épisode part sur de très grosses bases. On revient pas du nombre de choses qui pouvaient être analysées. Et encore, j'ai été sage. La réal et les acteurs sont toujours aussi extraordinaires. Et je pense que la série va faire un bien incroyable à Marvel. Pour ma part, je vais analyser chaque détail toutes les semaines pendant les 8 épisodes sur cette chaîne YouTube, mais également en story sur mon compte Instagram et en contenu court sur TikTok. Alors pensez à bien aller vous abonner de partout. Si vous avez vu autre chose que je n'ai pas évoqué, discutons-en en commentaire. Je suis attentif et je répondrai à tous vos messages. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux. Paraît que ça rend heureux. Je vous bise, ciao.